Clop la team, c'est Livia, on se retrouve pour une nouvelle saison sur Football Manager 2019 avec le FC Nantes. Donc j'ai préféré repartir à zéro plutôt que de faire la suite de la saison d'avant. Donc là on est à la période des matchs amicaux. Donc ça va être notre premier match, notre deuxième match amical. Le premier match amical, nous avons joué contre l'équipe réserve, donc que j'ai remporté 3-1. Voilà, et là du coup on va jouer contre Ruse Zone Berok. Donc c'est parti. Donc pour cette saison, on va partir sur une tactique la même que l'année dernière, hein, 4-1-4-1, parce que ça marche plutôt pas mal avec le FC Nantes, hein, faut quand même se l'avouer. J'ai fait un investissement par rapport à l'année dernière, la dernière, plutôt pas l'année dernière, par rapport à la dernière saison que j'ai fait. J'ai acheté d'entrée un défenseur latéral droit, parce que nous n'avions que Fabio qui est blessé pendant 3 mois. Donc j'ai acheté Ivan, qui est un jeune de 24 ans, espagnol. Niveau 3, potentiel 4. Donc voilà, il est pas dégueu, hein. Voilà, donc franchement, il n'est pas dégueu. 14 en vitesse, 14 en accélération, agilité, anticipation 13, ça reste. Collectif 14, donc ça nous remonte un peu parce que quand même le collectif du FC Nantes, c'est pas ça quoi. Concentration 15. Placement, il est pas mal. En tacle, il est pas mal. Hein, c'est quand même rare d'avoir des latérales au FC Nantes qui sachent tacler. Donc voilà, donc j'étais quand même assez content. De celui-ci. Donc voilà. Du coup, il va être titulaire d'entrée. Le seul problème avec ce joueur, c'est qu'il a un gros taux de blessure. Donc voilà. Après, pour le droit, j'aurai Lima et Charles. Donc de toute façon, on va changer tout de suite. On va mettre Traoré à la place de Lima, parce que Lima est en colère, étant donné que. Je l'ai pas voulu le laisser partir à Toulouse ou à Lens, je sais plus. J'ai pas voulu le laisser partir. Lui là, pourquoi il est là? Ok, pourquoi? Non, c'est pas ça. Lui là, Charlie Yann, il est 19 ans, il a rien à foutre en senior. Ah, le jeu bug encore. Ouais, il faut du temps, je sais pas ce qu'il a. Depuis la dernière mise à jour de ce matin, là, on a eu une petite mise à jour, ça déconne à plein de tubes. Envoyé en U19. Ça. Voilà. Voilà, il est parti en U19. Donc du coup, on repart sur notre tactique. Donc du coup, nous n'avons que deux gardiens. Moi, ce que j'ai fait par rapport à la saison d'avant, j'ai récupéré El Ghanazani et Gigi en défenseur. Parce que Palois a quand même 30 ans et surtout Palois, je sais pas si vous avez vu, mais Palois, il est où? Paloua, il a quand même des trucs. Franchement, t'as pas envie de le faire jouer, quoi. C'est pas écrit là. Bon, il s'en prend à l'arbitre. Bon, ça, on s'en fout. Hein, d'autres joueurs le font. Mais c'est que monsieur a tendance à monter et à faire des centres alors qu'il est nul à chier en passe. Tout et tout. Hein. Et en plus, bon. Ah oui, vu que j'ai mis un. Ah bah désolé, je peux pas vous le montrer, vu que j'ai mis un skin sur Football Manager, j'ai. On n'a plus le truc de base avec les joueurs. Donc du coup, bah écoutez, on va y aller de suite. Hein. Ils sont pas habitués à la formation, donc vraiment, je vais rester que sur cette formation-là. Donc je connais pas du tout cette équipe de Runzoken.
qu'on va partir sur du positif au début, hein. Vive la mise à jour, hein, franchement. Vive la mise à jour. Donc c'est déjà on n'a pas la phase, on n'a pas la, fa la phase des mecs, donc c'est génial. Qu'on va se faire la petite causerie, donc on part en assuré. C'est l'occasion. On va demander. On va y aller mollo, c'est des matchs amicaux, donc on va pas de suite leur demander des trucs. On va voir déjà ce que ça donne cette petite. Cette petite formation. C'est parti donc. On est en vert. Avec le short blanc. Alors, on a Tatarusamu qui est un excellent gardien. Par contre, il me fait penser à. Allez, le gardien qu'on a eu en équipe de France, là, bon, c'est peut-être pas de votre époque. Hein. Comment il s'appelait? Penalty? Pas magnifique. Bon, bah après penalty. Hein. Allez, Tatarusamu, je compte sur toi. Tu me l'arrêtes. Ouais. C'est quoi comme équipe ça? Attendez, on va se jeter un petit coup d'œil. Première division slovaque, d'accord. Bon, ils sont moins en première division, je les connais pas, mais voilà. Donc, bah écoutez. Hein. Ah, on a Rongier qui est blessé. Pff, et ça, c'est toujours ma malédiction. Hein. Rongier, c'est. Franchement, si un jour il passe sur ma vidéo, j'aimerais savoir si en réalité il se blesse autant parce que c'est impressionnant. Hein. S'il est sujet à avoir autant de blessures. Je sais pas qui mettre. Écoutez, on va mettre René. René, la dernière saison que j'ai fait avec, c'était ma star. Il nous a fait remonter 13e place alors qu'on était relégable grâce à lui. Pendant 3 matchs, il m'a mis des buts, mais des buts, des buts, des buts. Donc on va essayer de voir si. Mon avis, il a dû avoir un choc là entre les deux pour qu'il se blesse. Bon. Et bah oui, ouais. On va dire à Diego qui se calme un petit peu sur les tacles. Diego Carlos accumule les erreurs aujourd'hui. Remplacement rapide, bah pas vraiment. Alors après, les joueurs sont pas du tout familiers. Oh, joli, joli René. Bien, 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 Krim. Les joueurs sont pas du tout familiarisés avec cette tactique de base. Donc. Voilà. Okay, il veut rien. Qu'est-ce qui se passe encore? Cru que j'avais un blessé. Quand il y a ça qui pop, en principe, c'est qu'il y a un blessé, les gars. Donc, je me méfie. Hein. On peut voir d'ailleurs là, Rongier. René, un carton. Possible blessure au pied. Marc Bussy, ok, vas-y. Oh, joli.
Green, Evangelista, vas-y, vas-y, oui, sur Bocchila. Ah, ça revient trop derrière, hein, c'est chiant. Ouh, Bussy, Kayembe sur Crin. Ouh, Crin n'est pas mauvais du tout, hein. Crin n'est pas mauvais du tout. Crin n'est pas mauvais du tout, sur ce match-là. C'est la mi-temps. Donc on va aller faire la petite causerie. Décevant. Ouais, on va être un peu. J'ai pas envie d'être agressif. Je vais être en calme. Voilà, on va y aller mollo quand même. On va leur dire qu'il faut qu'ils se sortent un petit peu. Qu'ils mouillent le maillot, quoi, en gros. Hein. Parce que là, techniquement, l'équipe type, là, bah, c'est les 11 titulaires, quoi. Donc, faut qu'il me fasse quelque chose de mieux. Hein. Allez, Bocchila, sur je sais pas qui, Salah qui récupère. Bocchila, Evangelista, oui, ça y est, où? Touré, Traoré, Evangelista, Kayembe, repoussé par le gardien. Il y a eu une belle belle balle frappe de Kayembe là, repoussée par leur gardien. Vladimir. Soixantième, on va faire entrer du 109. Ouh, c'est beau ça. Voilà. Ivan. Bocilla, Ivan. Ivan. Oh, joli crin. Ah bah voilà. René. Franchement, René, y a rien à dire dessus. Hein. Franchement. Y a des gens qui disent qu'il est pas bon, qu'il fait mieux d'être remplaçant et encore. Mais moi, je le trouve, franchement, il a même sa place en titulaire, franchement, avec moi. Je sais pas si c'est avec moi, mais dites-le-moi d'ailleurs en commentaire, les gens, si vous avez aussi, si vous faites avec l'excellent, qu'est-ce que vous en pensez de René? Moi, je le trouve, franchement, pas dégueu. Donc, Salah qui va tirer le pénalty, nous avons obtenu un pénalty. J'ai pas vu la faute. Allez, Salah! Oh! Salah, 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 punaise. On va l'encourager, hein, parce que pauvre, 5-9, quoi. Ah, punaise, Salah. Allez, on essaye de le motiver un peu, on va l'encourager. J'aurais pas dû le laisser tirer. Je pense qu'il y a peut-être meilleur tireur, on verra. Allez, Touré. Touré sur Ivan, 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 centre de Ivan sur Crin, Touré, Traoré, Kayembe, oh Crin, oh. Ouh, Crin il est chaud, hein. Allez, on va faire un peu de 109, on va changer. Ça là, on va mettre Koulibaly. Merde, je me suis gouré. Voilà, Koulibaly. On va à la place de Touré, on va mettre Giroto. Histoire qu'il récupère un peu de temps de jeu. Masiaga à la place de Carlos, ça va lui faire un peu de bien. Limbombe à la place de Kayembe. Et Moutassami à la place de. Moutoussami à la place de Evangelista. Ça va lui faire aussi du bien. Donc il nous reste Waris qu'on peut remplacer. Même si je pense que je vais faire autre chose. On va faire ça. On va mettre Waris à la place de Kayembe. Et Bocchila, on va y mettre la bombe. Puisque en sachant que la bombe meilleure du pied droit.
Donc ça fait beaucoup de changements, je sais. Là, l'objectif, c'est pas la victoire. Franchement, c'est de redonner déjà un peu de temps de jeu à tous les joueurs. S'ils viennent rentrer juste de vacances. Après, si la victoire est là, tant mieux, je tiens à vous dire. Mais les premiers matchs amicaux, l'objectif, c'est pas vraiment la victoire. Ça fait un plus, mais il y aura peut-être match nul là d'ailleurs, parce que on y est bah, 3 minutes de temps additionnel. Hein. Voilà, on est dedans là. Dommage que ça là. Ah, Limbombe, Koulibaly, taclé. Limbombe, taclé, corner normalement. Ah non? On le tacle, mais ok, bah c'est fini. Bon bah les, la team, hein. Match nul, homme du match, Green. Donc je suis très content. Franchement, Green, cette saison on va pas me décevoir encore. Donc c'est un bon point. Donc on va passer un peu en véméant, en vénéant, en véhément. Non, bah non, parce que voilà. Va falloir faire mieux sur une rencontre officielle. Parce que c'est bon, c'était pas génial. Hein. Ça là. Hein. Après, je suis encore dans un match amical. Si vous avez un attaquant qui pourrait remplacer Salah avec un budget, attendez. 5 semaines, Rongier. Voilà. Et c'est exactement comme la saison d'avant, les gens. Ça m'avait fait pareil. Ah, c'est programmé en fait, hein. Je suis sûr, c'est programmé. C'est programmé qu'en début de saison, l'autre il se pète le pied. Alors, on va lui dire qu'il faut focus à. Ça m'énerve. Bah, ça m'énerve parce que franchement, la saison d'avant que j'ai faite, c'était pareil avec le FC Nantes, il s'est blessé. Ça doit être pro... il doit avoir un sous-programme là-dedans, c'est pas possible. Bah, d'ailleurs, je vais pas tout de suite faire le deuxième match, donc n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez un attaquant, il me reste 2 millions 36. Pour l'instant, Yakita qui a fait une offre pour ce jeune là de DD, DC ailier, Steve Yago de Toulouse, FC. Je sais pas si ça a été accepté. Bah si, ça a été accepté apparemment. Offre faite 1 million, 1 million 7. Donc il va pas me rester beaucoup, il va me rester 1 million à peu près. Un peu moins d'un million. Donc si vous en avez un attaquant comme ça de tête qui vaut pas trop cher mais qui a à peu près le même potentiel que ça là, ou mieux, hein. Parce que j'ai Koulibaly, mais ça là, franchement, j'ai l'impression que ça va me faire comme l'autre saison que j'ai fait avec le FC Nantes. Il va être en creux, mais creux de chez creux, quoi. Bon après, je dis ça, mais ça se trouve, là, cette saison, il va me faire un truc formidable. Bon, en tout cas, moi je tiens à vous dire que je suis ravi de refaire une nouvelle carrière, une nouvelle saison avec le FC Nantes. Franchement, j'ai hésité longtemps, mais je suis ravi, ravi de chez ravi, en espérant faire mieux que la 13e place au championnat et demi-finale en Coupe de la Ligue que j'avais fait, et le 11e tour en Coupe de France. On va essayer de battre, l'objectif c'est de battre ça, et pourquoi pas essayer d'atteindre dans les 5 premiers, moi mon objectif personnel, hein, je vais être dans les 5 premiers, ça va être dur, hein, ça va être très dur je pense, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc moi je vous dis en tout cas, la team, à très bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez suivre l'avancée de cette carrière. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.